Les Camerounais ont effectivement voté le 7 octobre. À Douala, ils ont voté dans le calme, la sérénité. Nous devons sincèrement en être fiers et nous en féliciter. Aujourd'hui, au moment où tous nos compatriotes et le monde entier attendent le résultat des urnes, nous devons chacun en ce qui le concerne, continuer à être les gardiens vigilants de la paix. Car Douala a besoin de la paix. En ce qui concerne le centre, il doit y avoir la paix à Douala. Le peuple Douala est un peuple qui a su accueillir et qui sait accueillir et qui c'est ce que c'est que, comme tout à l'heure on a dit, le prix de la paix. Nous allons concourir ensemble, comme avec le patriarche, avec nos populations, avec nos frères, nos amis, pour barrer la route des hommes. Nous ne pourrons pas accepter que Douala se mette comme Douala à sang et à feu. Et nous, population du sud de Tidan à Douala, nous allons nous opposer avec la dernière énergie. Avec tous ceux qui vont amener le désordre à Douala, et surtout un désordre qui n'a pas de sens. Leur Majesté les chefs traditionnels, par ma voix, les fils Tuburi, Massa, Kera et autres, dénoncent et condamnent par la plus grande fermeté toutes les manœuvres obscures et politiciennes visant à déstabiliser Douala, en particulier le Cameroun, en général visant à rompre le processus électoral en cours pour les intérêts ethnocratiques. Pour cela, nous appelons nos citoyens au calme et à la sérénité et nous interpellons les candidats à l'élection présidentielle au respect du corps et du processus électoral en cours jusqu'à la proclamation des... L'hospitalité légendaire dont tout le monde a parlé, peuple Sahoua, envers toutes les autres communes qui se sont installés ici. C'est pour que chacune de ces communes-là soit venue ici en Douala faire son petit panier d'œufs. Et nous tenons à retenir ce nom-là et à ce qu'aucun œuf ne tombe. L'amour du prochain et la conscience que nous sommes tous ici ensemble et que la paix n'est pas un acquis. La paix, c'est une lutte de tous les jours. Et c'est dans des réunions comme celle-ci, en ayant la disponibilité pour accueillir tous ces gens-là chez nous quand il y a un problème ou quand il y a un souci, cette capacité d'écoute, d'écouter l'autre et de pouvoir se mettre à sa place, cette volonté d'empathie, voilà ce que c'est que la vie de Douala. My name is Amibam Joseph Alemda. I am the leader of the Boyo community in the littoral region. And I'm here to invite all of us to turn to our Bibles in the book of the Psalms. Our Creator says in Psalms 133 verse 1 that it is a good and pleasant thing for the children of God to dwell together in unison. And we believe that dwelling together in unison has as a prerequisite peaceful coexistence, and we stand here for peaceful coexistence because this is the fundamental requirement for any developmental project that we have in our country. And as children of this country,
We believe that we can dwell together so that many things can be achieved together as one. And so we are here to say that we stand for peace, we stand for justice, we stand for unison, and we believe that all of us can hold our children, hold ourselves, hold our families, and stand together as one person and cry unto God. Déclaration des chefs traditionnels Sawa du Vouri et des représentants des communautés camerounaises résidant à Douala. À l'invitation et sous la haute présidence des chefs traditionnels Sawa du Vouri, les communautés camerounaises installées à Douala se sont réunies ce jour à la salle des fêtes d'Akwa à l'effet d'examiner ensemble la situation générale de notre pays au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Au cours de leurs échanges, les participants ont réitéré la place et le rôle exceptionnel que revêt Douala, ville phare, capitale économique et creuset irremplaçable du vivre ensemble national dans le passé, le présent et l'avenir de ce pays que tous les Camerounais veulent légitimement radieux et faste. C'est pourquoi ils se sont chaleureusement félicités du climat de calme et de sérénité qui a prévalu lors du déroulement du scrutin présidentiel. Ils ont ensuite dénoncé tous les comportements et actes d'où qu'ils viennent, susceptibles de semer le trouble et la division dans les esprits de nos compatriotes et de porter ainsi atteinte à la précieuse cohésion sociale dans ce pays en général et en particulier dans cette cosmopolite agglomération si délicate et sensible. En conséquence, les chefs traditionnels Sawa du Vouri et les représentants des communautés camerounaises résidant à Douala invitent solennellement les populations de cette métropole, toutes origines et toutes couches confondues, à respecter scrupuleusement, dans le contexte actuel, l'ensemble des dispositions légales qui régissent le processus électoral de la République, dans la République. Ils demandent à tous et à chacun de défendre énergiquement la valeur sacro-sainte qui nous lie, nous engage et nous interpelle, à savoir la paix, encore la paix et toujours la paix dans notre belle cité. Enfin, ils exhortent les uns et les autres, en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays, à s'ériger en gardien déterminé, vigilant et inébranlable de l'unité nationale et de la légalité républicaine, au lendemain de la proclamation officielle des résultats, afin de continuer à assurer le rayonnement et la grandeur d'un Cameroun qui gagne à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. Fait à Douala le 12 octobre 2018. Je vous remercie. Et quoi, Mato? Et quoi, Mato? La soupe.